Salut à tous, salut. Les amis. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors là, on peut dire que ça commence vraiment bien. On va chercher notre van. On est trop content. Finalement, ça a mis un petit peu moins de temps que ce qu'on pensait. On a gagné. Le garagiste nous a appelé tout à l'heure. Il nous a dit, c'est tout bon. Votre van est prêt. J'ai réussi à le faire rouler. Il fonctionne bien. Vous pouvez le récupérer. Alors, ni une ni deux, hop, on a pris la voiture. Et puis là, on est en direction de La Rochelle, enfin à côté. Et on a trop hâte de le retrouver. Ça commençait à nous manquer. On se demandait d'ailleurs même si on allait le revoir. C'est bon. Donc là, on a vraiment retrouvé le sourire, le moral. On est super contents. Ouais. Ça n'empêche qu'on va quand même garder nos projets que nous avions de partir. On vous en parle tout à l'heure. On vous en parle plus vers la fin de cette vidéo. En attendant, là, on va aller le récupérer déjà. Et puis. On va voir s'il va bien. Il n'y a pas de raison. Bon, ça y est, on vient de le récupérer, on vient de finir avec le garagiste et c'est reparti, trop content. Voilà la bête. Alors normalement tout va bien, on va tester, on va rentrer avec, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres problèmes, mais d'après ce qu'il a fait, il l'a testé, il a roulé avec, il nous a dit que c'était tout bon. Donc c'est vraiment cool, super content, il n'y a pas d'autres mots, c'est trop heureux. Alors comme vous pouvez le voir, on est dans le van, on l'a récupéré, on est très heureux. C'était hier, on est rentré très tard le soir, c'est pour ça là on est le matin, samedi matin, c'est l'anniversaire de Julien en plus. Donc c'est un beau cadeau pour l'anniversaire, c'est voilà. On pouvait pas faire mieux, là vraiment je suis vraiment le plus heureux. On a retrouvé notre van et en plus c'est mon anniversaire, donc on va pouvoir fêter ça. On va le refêter ce soir, bon enfin ça c'est une autre histoire. Enfin toujours est-il qu'on vous avait parlé justement d'un concours, vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Donc c'est par rapport à notre futur voyage, alors si jamais on vous invite à aller voir notre live que nous avons fait, je vais vous mettre le lien juste au-dessus. Et donc on vous parlait que nous allons donc reprendre les sacs à dos et voyager un petit peu. Alors sans le van, on va le laisser tranquille un petit moment et partir à l'étranger. Par contre, on vous a pas dit encore le pays, mais c'est encore une surprise. En fait, on voulait trouver une façon originale de vous annoncer les pays où on va. Et en plus, on voulait vous remercier pour tous vos commentaires, pour tout votre soutien pendant qu'on avait les problèmes avec les vannes. Et on aimerait bien envoyer les cartes postales à tout le monde, mais malheureusement, on ne peut pas. Du coup, on a décidé qu'on va faire un petit concours et il y aura 5 cartes postales à gagner du pays où on va. Alors, les règles, c'est simple. En fait, on va vous donner 3 indices qu'on va vous donner à l'instant. Et ensuite, vous nous mettez la réponse en commentaire de cette vidéo et donc il n'y aura qu'une réponse acceptée évidemment par personne. Et vous devez deviner le pays où on va aller. Voilà, évidemment, c'est un pays où c'est notre premier pays où on va. Et donc si vous répondez juste, et bien on va après faire un tirage au sort de toutes les réponses justes. Et puis ensuite dans notre prochaine vidéo qui sortira mercredi, et bien on vous donnera les gagnants. Et on enverra au gagnant. Parce que vous avez une seule possibilité et une seule réponse possible. Vous ne pouvez pas mettre dizaines de réponses. Ouais, s'il y a plusieurs réponses, malheureusement on n'acceptera pas parce que c'est un petit peu de la triche. Il faut donner une seule réponse, donc jeu. Triche, c'est bien. Et puis après les gagnants, on verra avec eux, on enverra un message en privé pour se donner l'adresse et puis on vous enverra ça. Alors premier indice, vas-y, commence. Alors premier indice, ces pays à 6 frontières terrestres avec d'autres pays. Voilà. 6 pays limitrophes. Ensuite, deuxième indice, depuis ce pays, quand on regarde le ciel la nuit, on ne voit pas la constellation d'Orion ni la Grande Ourse. Et troisième indice, on peut trouver dans ces pays à la fois les plus grands mammifères terrestres et les plus grands poissons.
Voilà, alors bon, je pense que vous allez peut-être un petit peu plus vous situer. En tout cas, on attend vos réponses en commentaire. Et puis aussi, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo en général aussi en commentaire, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce bleu aussi. Mettez plein de pouces bleus. Et puis, quand on vous donnera la réponse, on vous parlera aussi un petit peu plus de notre voyage qu'on est en train de préparer. En tout cas, on le répète, on part le 29 janvier du coup. Donc là, c'est bientôt, c'est très proche, dans une semaine et demie maintenant. Et on se retrouve très bientôt de toute façon pour de nouvelles aventures. Et en plus, on a notre van, alors ça, je peux vous dire que là, on est heureux. C'est un super cadeau d'anniversaire. Et puis, on vous remercie encore d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Et puis, on se retrouve très bientôt, pour une prochaine vidéo. Alors, à très bientôt. Salut, ciao.